J'ai le plaisir de lancer cette formation, ce tutoriel sur, sur justement les JO 2024 euh, qui se passent à Paris. D'ailleurs, pendant que j'enregistre cette vidéo, on est le le 7, 08, le 7 août 2024, alors que il y a, je suis en train de suivre euh, le match de Alexis Lebrun. Et donc, euh, donc on est en plein dans les JO et je me sers un petit peu de cette énergie des JO pour créer euh, quelques tutos. En rapport avec cette thématique, car j'aime beaucoup les thématiques, j'aime beaucoup avoir un cadre, enfin un cadre dans le sens. une thématique tout simplement. Et donc on va attaquer dès maintenant, et après le tuto que vous pouvez retrouver aussi sur le site, le tuto sur, sur la création des anneaux des Jeux Olympiques en 2D, en 3D, et ben maintenant on va attaquer directement les médailles, les médailles olympiques. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que les médailles olympiques qui sont le symbole de la réussite, justement, dans ces JO. Alors, on va attaquer ça, on va analyser ça, et pour l'instant, on va déjà voir. Alors, j'essaie d'adapter cette formation pour tous ceux euh, même qui débutent dans Blender, donc vous allez avoir des indications ici. Je vais essayer de décrire toutes les manœuvres que je fais. Par exemple, on va revoir un petit peu l'interface pour nous aider à accomplir ce que l'on a prévu, c'est-à-dire de modéliser les médailles. Donc là, je déplace le bas ici qui est une timeline et je vais changer cette partie-là en éditeur d'image. Pour séparer cette fenêtre là, parce qu'on va mettre nos références ici, on va pas se servir pour l'instant de l'animation, et bien je vais mettre mon curseur dans un des coins de l'écran, comme vous pouvez le voir ici, et je vais le cliquer, clic clique gauche, cliquer glisser vers l'endroit où je souhaite scinder ma fenêtre pour en créer plusieurs. Donc regardez, je clique, tac ça me fait deux fenêtres ici. Je peux faire ça aussi de ce côté-là. Voilà. Et comme ça, je peux mettre mes différentes images. Alors, j'avais changé déjà la timeline en éditeur d'images. Donc, une fois que je sépare après, bah, j'ai à nouveau cette sélection-là. Donc, ce sont que des éditeurs d'images. Mais sinon, je peux rechanger ici. Et maintenant, les images que je vous ai fournies dans les fichiers sources de cette formation, vous pouvez les glisser pour vous faire des indications. Hop, ici. Là, comme ça, là, on voit bien la profondeur ici des, des médailles la vue de face ici, voilà, comme ça on va pouvoir bien se guider par rapport à ça. Je vais mettre en vue de face ici dans la vue courante, donc touche 1 du, du clavier euh, du pavé numérique. Et euh, on va supprimer notre carré de base, donc touche supprime. Vous pouvez déjà tout sélectionner, histoire de sélectionner la, la lumière, la caméra, ça va nous gêner touche supprime. Donc tout sélectionner avec A ou désélectionner avec double A. Et là, pour pouvoir créer cette partie-là, ce qui va nous intéresser déjà, c'est de compter, alors on va le faire ensemble, de compter le nombre de, de pointes ici. Vous voyez, ça fait comme un espèce d'éventail. Et donc, on va se servir de, de ça. Donc, je vais commencer ici. Donc là, c'est un creux. Euh... <laughs> Et bien, on va compter toutes les arêtes qu'on a ici jusqu'à faire le tour. Donc 1, ou déjà on va faire sur la moitié, après on multipliera par 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Je Compte pas la dernière, j'ai pris la première. Alors c'est pas obligé, ce sera pas à, à la perfection euh, pareil, mais on va essayer de s'y approcher le plus possible. Donc 38, euh, 68, 8 et 16, 60, euh, 76. On va dire qu'on a 76 arrêtes ici. Ok, donc on va se servir de ce chiffre là et on va aller ajouter ici. On va ajouter, donc on retient le chiffre de 76. Euh, on va ajouter un maillage cylindrique. On pourrait même prendre un cercle. On va prendre un cercle. Tac, je sélectionne un cercle. Donc là, je me mets en vue de dessus. Donc touche 7 du pavé numérique quand j'ai mon curseur dans cette vue-là. Et avant d'aller de cliquer ailleurs, ici, j'ai des options pour la création ici. Donc on a dit 76, et bien on va mettre 76 sommets ici. 76. On va aussi modifier le rayon qui est actuellement de 1 mètre mais on va essayer de faire la médaille à la bonne taille alors je me suis renseigné donc le diamètre de nos médailles c'est 85 mm donc euh, qu'est ce que je raconte 40 40 42,5 donc 42,5 mm le rayon voilà on aurait pu prendre 85 divisé par 2 vu que le diamètre est égal au rayon divisé euh, le rayon est égal au diamètre divisé par deux voilà et donc là on a notre médaille ici donc on avait sélectionné notre objet le cercle donc vous faites un point du pavé numérique pour recentrer sur notre objet en question et nous avons notre objet en question ici après ça en mode objet je passe en mode édition et là je vois tous les points ici qui correspondent au sommet ici alors quand je dis que ça ne va pas être exactement à la perfection notre médaille ici, c'est parce que vous voyez bien qu'il y a différents espaces. Là, on a des écarts importants, là on a des écarts resserrés. On va peut-être essayer de s'y conforter un petit peu, mais bon, ça a ses limites. On va quand même, on ne va pas passer un temps fou à reproduire exactement cet éventail-là, mais on va s'en approcher, visuellement, ce sera très proche. Vous pourrez vous amuser, vous après, à modifier ça comme ça. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est mettre cette image de médaille ici. Aussi en, en visualisation référence ici. Et pour ça, donc on va revenir en mode objet et on va aller ajouter un objet image référence et on va choisir la référence. Hop, et on va prendre cette même image ici que je suis censé avoir, c'est où on voit les trois médailles, c'est ici. Et j'ajoute un objet ici. Donc là, ma référence est beaucoup trop petite, mais c'est pas grave, je la sélectionne et avec la touche S, je l'agrandis. Vous voyez, quand je dépasse mon curseur d'un côté, il revient de l'autre côté. Comme ça, je peux bouger mon curseur de manière infinie. Donc je m'en rapproche un petit peu comme ça et avec la touche G, je déplace et j'essaie de placer cette partie-là au maximum. Ici, avec S, j'agrandis encore mon image de référence, avec G, je la déplace de manière à ce que ça se colle bien le plus proche possible ici. Et avec notre image de référence d'ailleurs, c'est avec elle qu'on pourrait replacer les points avant de faire quoi que ce soit. Replacer les points de manière plus précise. Là, on a plus d'espace, là, c'est plus regroupé par rapport à notre image. Vous voyez Ici, on peut replacer, s'amuser à replacer les points. On va zoomer. Donc je zoome avec la roulette et je déplace avec shift enfoncé clic de la roulette pour pouvoir déplacer comme ça. Hop, et je peux m'amuser. On va faire le tour à déplacer chaque point comme ça. Ici ici, voilà. Donc finalement, on va s'en rapprocher plus que je l'imaginais. Pourquoi pas Histoire de faire quelque chose de proche de ce que l'on avait. Donc là, j'avoue que je n'ai pas mis le son sur le match, mais là, apparemment, le français a gagné son match. Parce que là, je ne vois plus le score et je vois que tout le monde est content. Donc voilà, vous voyez un petit peu d'histoire, on a un petit peu d'histoire sur ce tuto. Même si vous voyez ce tuto-là des années plus tard, c'est amusant de se dire qu'il a été réalisé pendant les JO et pendant des moments intéressants que je vous décris. De temps en temps, histoire de rendre les choses peut-être plus sympas. Donc oui, oui, les Français ont gagné. Et je redéplace les points. On va faire tout le tour. Allez, on est parti. On va être plus précis. Hop. Donc comme j'ai dit, parfois il y a beaucoup d'espace, parfois très peu. Bon, alors là, toujours avec la touche G. De hein. toute façon, vous voyez la touche que j'utilise. Ici, on a l'espace. Bon, je vais déplacer un petit peu là parce que là ça me gêne. Hop. Et normalement, on est censé avoir le même nombre de points. Euh, le même nombre de sommets, mais après, sait-on jamais, mais on, on saura les modifier s'il faut. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour aller plus vite, je pourrais même supprimer, je vais vous montrer certains points. Supprimer. On ne va pas supprimer, en fait on va mettre dissoudre. Dissoudre sommet, comme ça, je place plus facilement les points en question. Par exemple, celui-là, ça va être plus facile de le placer ici et de dissoudre celui qui est en trop. Hop. Je replace ici et puis on rajoutera les points manquants. Dissoudre de sommet, donc toujours je fais touche supprime hein, et je choisis 12 dissoudre sommet. Mais là, vu que j'en ai retiré, il va m'en manquer à la fin, parce que là, ça va être beaucoup plus serré, comme vous voyez. Mais c'est pas grave, je, vous montre, je vais vous montrer comment en rajouter euh, très, 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 très facilement. Bah là, je vais vous le montrer. Regardez, le point est bien placé ici, il est bien placé ici. Je sélectionne les deux points ici, et pour ajouter un point au milieu ici, il y a plusieurs solutions, mais j'ai juste à faire un clic droit, et je subdivise. Et voilà, et je peux le réajuster avec la touche G par la suite. Tac, tac, ça c'est bon. Ici aussi, hop. Voilà, là il est bien positionné. Pareillement, je prends mes deux points. Alors il y a d'autres solutions. Hein. Je pourrais faire, euh, je pourrais utiliser le couteau ici et là avec le couteau. Tac, je sélectionne un point, j'appuie sur Entrée. Alors non, je vais faire comme ça. Non, ça marche sur plusieurs points. Euh, bon, on va faire autrement. Euh... Non, bah, le mieux c'est de subdiviser tout simplement. On ne va pas chercher plus loin. Et je commence par faire tout le contour. Même si à certains moments on ne voit pas très bien sur la photo, eh ben, on imagine bien où ça pourrait être. Et s'il y a une petite erreur, c'est pas grave. Là, je refais une subdivision. Je déplace. Voilà. Comme ça, comme ça. Et on va faire tout le tour et on arrêtera cette première vidéo au moment où on aura fini cette première partie qui sera une très bonne base pour la suite. Je subdivise. Je déplace. Comme ça. Alors, si vous avez compris le principe et que vous ne voulez pas vous amuser à, à refaire toute cette étape, j'essaierai de mettre certains fichiers vidéo à différentes étapes dans les fichiers sources, comme l'enregistrement de la vidéo à la fin de cette première vidéo, comme l'enregistrement le, de Blender, de mon Blender, à la fin de cette première vidéo, et j'y intégrerai les fichiers images. Et, histoire que vous vous y retrouvez, je vais vous montrer d'ailleurs comment intégrer directement dans Blender le fichier en image en question d'image en question ça va faire partie de la formation rapidement je replace ça ici vous fait un bon exercice avec une thématique c'est souvent plus sympa à suivre en tout cas moi c'est comme ça que je préfère pour pouvoir reproduire d'autres choses si vous avez des modélisations assez similaires à faire contrôle z on annule la précédente action car c'est dissoudre le sommet non pas supprimé comme ça donc je disais si vous avez des éléments assez proches à modéliser, vous voyez à peu près la façon dont on s'y prend pour cette médaille-là et vous pouvez l'utiliser pour tout autre objet qui s'en rapproche. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je déplace ici. C'est assez long, mais on a bientôt... Fini de faire les tours, on est sur le dernier quart. Donc ça ne devrait plus être si long. Voilà, comme j'ai dit, je subdivise ici. Hop, encore une subdivision avec la touche G. Je déplace. Et surtout, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à m'en faire part. Et toujours aussi par rapport à mes tutoriels, si vous voulez voir un point précis euh, qu'on est sur lequel on est peut-être passé un peu vite, je peux toujours aussi vous faire une vidéo qui qui renforcera un peu cette formation. C'est sans frais supplémentaires, on va dire. Histoire euh, d'accentuer un petit peu un point de la formation. Et comme ça, la formation sera un petit peu plus longue, un petit peu plus chargée en information. Et là, on a fait le tour. Ici, dernière subdivision. Voilà pour cette première partie. Et là, on a bien respecté les différentes proportions au niveau de l'éventail ici. Alors pour les autres couleurs, c'est la même chose. Donc ça ne nous posera pas de soucis si on veut faire les médailles des autres couleurs et on se retrouve dans la vidéo suivante pour continuer à réaliser notre, notre objet de la médaille des Jeux olympiques.